aujourd'hui, ce qu'on nous appelle chamanisme, qui est un terme un peu impropre, mais enfin on va l'accepter, les valeurs ancestrales, je préfère traditionnelles, sont en train de réémerger absolument partout, y compris dans les sociétés dites qui créent l'admiration, comme chez nos amis amérindiens, qui ont été complètement brisés, maltraités, humiliés, emprisonnés, parce qu'eux aussi sont en train de reconquérir leur sagesse traditionnelle. J'étais en Amérique du Nord, au Canada, au mois d'août, là, 6 semaines, chez nos frères et sœurs autochtones, et ils sont en train de faire un travail de reconquête considérable, de retrouver leurs valeurs ancestrales. Et c'est plus difficile peut-être que pour nous, parce qu'ils ont été tellement victimisés, ce sont tellement des victimes, qu'il faut aussi qu'ils arrivent à dépasser ce syndrome de la victime. Et c'est très difficile. Mais ils le font. Et de plus en plus d'Autochtones sont en train de retrouver leurs valeurs ancestrales et leurs pratiques originelles. Il en est de même en Europe, il en est de même en Asie, il en est de même dans le monde entier. C'est un phénomène qui n'est pas marginal. Il n'y a qu'en France qu'on croit que c'est marginal. Parce qu'on est sur notre nombril de souffrance. Mais dans le monde entier, il y a une reconquête, une réappropriation des valeurs originelles.